Monsieur Robure. Henri. Moi, c'est Tony. Je te dois un truc? Non, c'est bon, t'as déjà payé. Écoute, t'en as pas marre de tout ça? Toute cette merde, cette saloperie de jeu? Je peux t'aider. Écoute-moi bien, connard. Ce que je fais, ça me regarde, alors lâche-moi. Déjà payé. Et vous voulez pas quitter. Quitter quoi? Quitter tout ça. Ce monde. Oubliez. Je suis là pour vous aider. J'ai pas besoin d'aide.
Allez-y. Bonsoir, Henri. Je suis Monsieur Peckley. Qu'est-ce que je fous là, moi ? Vous nous devez une explication, Henri, sur vos agissements. Mon employeur n'est pas content. Qui ? Plus tard, Henri, plus tard. J'aimerais d'abord discuter avec vous. Qu'est-ce que vous me voulez ? Parler, Henri. Parler. Tony devait vous demander de me rencontrer. Ah, l'autre connard, il est où ? Je vous en prie, Henri. Ce n'est pas le bon moyen. Mais moi, j'ai rien à vous dire, je me casse. Il y avait tout à dire, au contraire. Tout à raconter. Henri Robure, né le 25 mai 1969, à Nantes, en France. Mais qui vous a donné ce dossier, là ? Ma profession me donne accès à certaines choses. Vous rappelez-vous du 18 juillet 1981 ? Non. Un jour où vous et votre sœur vous jouiez près de l'étang. Va te faire foutre, enculé ! C'était juste une farce, rappelez-vous. Il faisait beau cet après-midi-là. Et vous êtes caché dans les herbes hautes, votre sœur vous cherchant. Vous êtes rapproché d'elle et vous avez voulu la pousser. Trois fois, peut-être. Elle a glissé et est tombée sur une pierre. Les cigales se sont tues à cet instant. Vous l'aviez remarqué. Vous avez regardé le sang se répandre comme un serpent trop vif et rejoindre l'eau. Vous êtes penché sur elle et vous avez crié son nom. Liliane. Elle vous a pardonné, Henri. Elle vous a pardonné, mais pas vous. Et ce 12 avril 1995 ? Tais-toi, fumier ! Il respirait la vie à pleine bouffée. Il était beau, spirituel et... Ta gueule ! Il s'appelait Éric Pessel. C'était votre ami. Il s'est fracassé contre le rail. L'autoroute était pourtant déserte ce jour-là. Il faisait bon, mais par orgueil, il a voulu vous prouver qu'il pouvait le faire. Mademoiselle Davoise. Laurence Davoise. Votre plus belle nuit d'amour. La première. C'était chez elle, dans son studio, au 80 rue Amelot. Un dîner dans le restaurant grec. Elle a cru en l'amour. Vous l'avez regardée. Son corps fin d'une blancheur laiteuse. Et ses seins en forme de pomme de septembre. Vous l'avez désiré. Vous l'avez prise tendrement. L'extase indéchiffrable de l'acte d'amour. Vous avez dit comment ? Gour. Damien Gour. G-O-U-R. Ce plaisir intense et éphémère que vous avez réussi à prolonger toute la nuit. Il est arrivé à quelle heure ? Il était 22h30. Ce bonheur s'est terminé le 20 avril 1999. Donc après, je suis monté et je m'en doutais. Et dès que j'ai vu ce qui se passait, je vous ai appelé de suite après. Pourquoi n'avoir pas voulu garder le fruit de votre amour, Henri ? Ah, c'est dingue, j'y crois pas. Il a le cœur qui bat encore. Par peur de ne pas faire face ? Qu'une TA que j'ai vraiment du mal à stabiliser sous l'UVN. Et maintenant ? Une ventilation assez difficile. C'est un TA5-2. Et un pouls filant, ouais. Pourquoi continuez-vous à tuer ? Il est inconscient, réactif. Tous ces malheureux. Gaffe, pouls filant. Vous essayez chaque soir d'expier vos fautes. Ça, t'as 74% d'oxygène. Mais vous gagnez toujours. Comment on continue ? Ce sont encore les autres qui paient. Attention, Doc, il fibrille. Ok, on charge à 200, allez. Écartez-vous, écartez-vous. Si attention, je vous dis que Liliane, Eric et Laurence vous ont pardonné, il ne reste que vous, pourtant. Fibrille encore, recharge à 300. Vous devez comprendre, Henri. Écartez-vous.
Il faut que vous finissiez ce que vous avez commencé ce 24 avril 1999 pour les rejoindre. Vérifie pour Bruno, s'il te plaît. Écoutez leur pardon. Vous devez être attentif, Henri. J'ai rien. Écoutez. C'est bon, on arrête. C'est terminé.